DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité ici, c'est aussi plusieurs affaires qui tourmentent en tout cas. En tout cas, l'INAFOOT, dont le classement n'est toujours pas connu, tellement qu'il y a beaucoup d'affaires sur la table de cette Ligue nationale de football, le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Si le cas Matuta Lazao occupe toute l'attention, parce que c'est un dossier qui oppose l'SV Club à Don Bosco, mais dont le tout-puissant Mazembe en affût pour gagner le titre de champion de la République démocratique du Congo apporte donc son soutien à Don Bosco et les Vétlubiens qui ont été déboutés par la Fédération Congolaise de Football Association et qui ont déclenché l'opération Zongisa 9 points Yavita. Nous avons aussi d'autres clubs qui entrent en danse. C'est le cas de la jeunesse sportive groupe Bazano qui, pour éviter la relégation, a aussi trouvé une astuce pour récupérer des points perdus sur le terrain contre l'ASV Club notamment. En effet, la jeunesse sportive groupe Bazano a porté aussi plainte contre l'ASV Club au niveau de la LINAFOOT en adressant en tout cas sa plainte à la date du 23 juin 2021. Lubumbashi, le 23 juin 2021, concerne dénonciation contre Vita Club et la lettre est adressée bien évidemment au président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et je vais vous lire cette lettre en dénonciation. Monsieur le président, lors de nos matchs contre l'AS Vita Club livré respectivement en manche aller et tout comme en manche retour le 7 novembre 2020 à Lubumbashi et le 6 avril 2021 à Kinshasa. Cette équipe a aligné le joueur Mfingi Magema, lequel est de notre avis non qualifié. En effet, le joueur Mfingi Magema est un sociétaire du FC Renaissance, équipe où il a joué depuis la saison 2014-2015 avant de s'échapper vers l'Angola en 2016-2017. Sans préjudice de date certaine, le joueur se retrouve au sein de l'ASV Club, équipe qui préconise l'avoir acquis de l'Arménie sans préciser le club ni le contour du dit transfert. Comment un joueur qui a joué en RD Congo, précisément au sein du FC Renaissance du Congo, peut se retrouver en Arménie sans l'avis de son club, puis revenir au pays avec un certificat de transfert international de transfert en retour. Pour revenir au pays avec un certificat de transfert international de transfert en retour sans que son club congolais, le FC Renaissance, n'ait au préalable envoyé un certificat de transfert dans ce cas-là. Au regard de ce qui précède, il est certain que l'affiliation suivie de la qualification du joueur Mfingi Magema viole le prescrit de l'article 112 du RGS. En conséquence, il plaira à votre commission de disqualifier ce joueur et infliger un forfait à l'AS Vita Club. Convaincu de la bonne suite que mérite la présente, nous vous prions d'agréer, monsieur le président, nos sentiments sportifs distingués. Pour le comité sportif de la jeunesse groupe Bazano, le secrétaire bien évidemment et aussi le président qui ont contresigné cette lettre. Donc des problèmes au niveau de l'SV Club ne sont pas finis. La jeunesse sportive groupe Bazano entre en danse et bien sûr on peut trouver facilement un raccourci entre la jeunesse sportive groupe Bazano et le tout puissant Mazembe, puisque le point commun c'est que ce sont tous des clubs de Lubumbashi, mais le mobile qui a poussé la jeunesse groupe Bazano
Lugano justement a porté cette affaire au niveau de la Lina Foot, c'est très clairement sa position au classement. La Jeunesse Sportive Groupe Bazzano aimerait éviter la relégation, hein, ne pas être relégué en Ligue 2 et continuer donc à évoluer en Ligue 1. Donc voilà pourquoi cette équipe saisit, hein, aussi la Lina Foot. Alors toutes ces informations étaient fournies à la Jeunesse Sportive Groupe Bazzano par qui? Très clairement ceux qui ont connu ce joueur-là ont donné des informations précises au comité de la Jeunesse Sportive Groupe Bazzano qui porte cette affaire au niveau de la Lina Foot. Donc voilà le dénouement de la Lina Foot cette saison. Vraiment, ça pose problème, hein, puisque beaucoup de cas, beaucoup de litiges sur la table de la Lina Foot. Ce que nous pouvons demander cette fois-ci, qu'il y ait un traitement sérieux des dossiers, que la Lina Foot applique tout simplement les règlements et l'équipe qui est fautive puisse payer. Et ceci doit interpeller toutes les équipes engagées aussi dans ce championnat d'élite ici en République démocratique du Congo. Le sérieux dans le travail, surtout au niveau du secrétariat, il y a certains transferts qui sont gérés avec beaucoup de légèreté. Et voilà que au niveau de l'SV Club, en dehors du cas Matuta Lazao, qui est aussi un cas de transfert, un cas typique de transfert à problème, hein, également, il y a aussi ce cas Mfingi qui pose problème. Il y a un autre cas dont on nous a parlé, c'est le cas du joueur Makwekwe, dont le FC Saint-Éloi Loupopo aurait aussi porté plainte, hein, je dis au conditionnel parce que je n'en ai pas de confirmation, mais on nous a parlé aussi du cas Rudy Makwekwe, dont le FC Saint-Éloi Loupopo aurait porté aussi l'affaire auprès de la Lina Foot et que le joueur appartiendrait à RCK, c'est ce qu'on a entendu, et qu'il aurait joué un certain nombre de matchs avec l'ASV Club. Donc voilà encore des affaires qui ternissent, hein, davantage l'image de notre football, ce qui n'est pas intéressant. Je crois que ceci doit nous interpeller tous, hein, pour que la saison prochaine, toutes les équipes puissent s'aligner derrière la réglementation en vigueur, surtout en matière de transfert. On ne peut pas faire des choses comme on le faisait dans le passé. Aujourd'hui, tout doit être documenté. Lorsque vous vous écartez, sachez que ceci peut faire retour et vous pouvez malheureusement perdre même le titre. Cette année, sur le terrain, l'ASV Club a été très clairement au-dessus, hein, de tout le monde. Il suffisait en tout cas de voir l'écart des points entre elle et l'équipe qui venait en deuxième position. Mais malheureusement, l'ASV Club a perdu 3 points. Il faut dire aussi que l'ASV Club n'a pas fait que perdre des points au bureau. Elle en a gagné aussi, hein, notamment lors de cette rencontre contre le tout-puissant Mazembe, perdu 3-1. Et l'ASV Club a gagné au bureau, a gagné les 3 points au niveau du bureau. Donc on peut perdre des points au bureau, en gagner aussi. Alors à la Lina Foot d'analyser froidement cette lettre, la plainte de la Jeunesse Sportive Groupe Bazzano, et surtout d'appliquer le règlement. J'avais remarqué aussi que dans le cas Matuta Lazao, au niveau de la Lina Foot, il y avait une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier. Cette légèreté a été aussi remarquée par la FECOFA, qui a d'ailleurs dû sanctionner le président ainsi que le secrétaire adjoint de la Lina Foot pour un traitement léger justement de ce dossier. Et au niveau de la FECOFA, on a eu à faire une toute autre lecture, hein, de ce dossier, sanctionner l'ASV Club. Bon, l'ASV Club a introduit son recours. On va voir maintenant en recours comment la FECOFA va agir. Dans l'entretemps, il y a aussi ce cas de la Jeunesse Sportive Groupe Bazzano. Ça signifie qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On ne sait pas encore que dira la Lina Foot, hein, et si la décision de la Lina Foot ne va pas satisfaire la Jeunesse Sportive Groupe Bazzano, celle-ci pourra certainement aller encore du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein, ce feuilleton qui continue au niveau de la Lina Foot. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo, mais surtout partagez avec nous votre point de vue, hein, sur ce sujet concernant toutes ces affaires qui se retrouvent sur la table de la Lina Foot, hein, et qui peuvent en tout cas modifier le classement à la fin de cette saison. Il ne reste plus qu'une journée pour chaque équipe, hein, Mani Maignan ayant joué son match de retard contre le dernier club monté en Pembe hier. Alors bien évidemment, il faut aussi noter que bien sûr
l'ASV Club, sachant que elle pourrait perdre son titre à cause justement de cette affaire contre elle introduite par Don Bosco, a aussi interjeté appel du côté de la FECOFA, mais veut mettre pression à travers cette manifestation, à cette opération Zongisa 9 points Yavita. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. Bien entendu, si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien, et votre chaîne YouTube DMTV vous dit au revoir.